Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Nous continuons avec la série d'exercices numéro 4 en ce qui concerne la formation en langage C. Donc nous sommes arrivés à l'exercice numéro 7. Donc l'exercice numéro 7, c'est la continuité de l'exercice numéro 6 en ce qui concerne le calcul des sommes et des produits. Donc dans cet exercice, nous allons voir 4 cas de sommes pour la variable S. On va lire immédiatement l'énoncé de l'exercice. Donc, l'exercice, il vous demande, comme nous l'avons déjà fait, de réaliser un programme en C pour calculer la somme S dans les cas suivants. On prend le premier cas, S égale X plus X cube plus X à la puissance 5 jusqu'à X à la puissance de 1 plus 1. On remarque ici que tous les termes de l'addition, de la somme, c'est la puissance impaire de X. X à la puissance, un nombre impair. Un nombre impair, il peut s'écrire sous forme 2K plus 1, par exemple, ou bien 2I plus 1. Pour cela, on peut écrire la forme abrégée de la somme, la somme des termes x à la puissance de i plus 1, tel que i allant d'une valeur initiale et la valeur finale. La valeur initiale et la valeur finale, on peut les déduire par rapport au premier terme ainsi que au dernier. Donc, si on remplace i par 0, on trouve le premier terme. Si on remplace i par 1, on trouve le dernier terme. Donc, on a vu dans la vidéo précédente comment transformer ça en une boucle pour. Donc, premièrement, il faut initialiser s à 0. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le symbole de la somme, ça devient la boucle pour le compteur i recevant 0 jusqu'à n, Donc, en langage C, comment on fait ça? On fait une variable i qui reçoit 0. I, elle doit être inférieure ou égale à n, ça c'est la condition de la boucle for. Et i++, c'est le pas. Le pas égal à 1. Donc voilà, on écrit comme suit. À l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On fait S reçoit la valeur de S plus le terme répétitif ou bien le terme général. Donc ici, le terme général, c'est X à la puissance de I plus 1. Donc on vient ici, on fait comme ça. Donc heureusement pour nous que le langage C permet de calculer la puissance avec une fonction prédéfinie, donc la fonction PAU. Donc elle existe. PAU, ça c'est la base. X, ça c'est la puissance, l'exposant de i plus 1. Donc, s'il n'y avait pas cette fonction, il faut passer par une manœuvre de déclaration d'une autre variable, par exemple p, et dans lequel on va initialiser p à x. Après, on fait p reçoit p fois x carré pour passer à la prochaine puissance. Donc, on peut tester cette solution, la deuxième idée de la variable p. Et la première, on va faire directement power. Donc, on va aller directement à l'éditeur de programmation MyC, MyC++. Donc ici les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc ici c'est clair, on calcule la variable S. Donc S c'est une variable de sortie. Donc je comprends qu'ici il faut faire printf la variable S. Donc ici c'est un float puisque X c'est un float. Donc on va déclarer S comme float. Pardon, si c'est S. Donc on peut faire un message, la somme calculée et avec E et voilà. Donc on doit déclarer S, pardon, on doit déclarer S ici, float, S. Ça c'est le résultat. Maintenant les variables d'entrée, pour calculer S, on doit connaître la valeur de X et la valeur de N. Donc bien sûr, I c'est pas une variable d'entrée. I allant de 0 jusqu'à 1, donc I dépend de N. Donc les valeurs de I, une fois qu'on connaît N, on connaît toutes les valeurs de I. C'est 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à N par itération. Donc ici, on doit avoir la valeur de N ainsi que la valeur de x. Donc, c'est les variables d'entrée, il faut les déclarer. N, il est entier. Par contre, x, il est réel. Donc, on doit donner les valeurs de n et de e. Donc, on fait scanf de n et de x, pardon, ici. Donc, pour décimal, l'adresse de n. Et pour float, l'adresse de... Donc, j'agrandis un petit peu pour que ce soit visible. Et l'adresse de x. Ça, c'est pour le float. Donc, on peut ajouter des messages, ici, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, ici, donner la valeur de n. Et ici, je vais copier ça, donner la valeur de x. Voilà. Très bien. Donc, ça permet de saisir les paramètres ou bien les variables d'entrée. Donc, ici, c'est variable sortie. Donc, ça, c'est la partie déclaration sortie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce traitement-là, je vais le copier. Je vais le mettre ici. Et je change traitement à entrée. Ça, c'est la partie entrée. Les entrées, traitement et sortie. Voilà, c'est bien de structurer les parties du code. Maintenant, la partie traitement. La partie traitement, il suffit de traduire la somme, comme nous le venons de faire ici dans la présentation. Donc, S reçoit 0. Pardon, j'ai appuyé sur Insert. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, d'accord, j'ai... Alors, for, I reçoit 0, I inférieur strict, inférieur ou égal à N,
et I++, ça c'est la traduction. On va ajouter les accolades qui ne sont pas vraiment obligatoires, mais on a dit que la bonne pratique stipule de faire les accolades ouvrantes et fermantes malgré qu'il y ait eu cette instruction. Donc ici on utilise la fonction pow, s reçoit la valeur de s plus power x à la puissance de i plus 1. Voilà. Donc on a dit ici dans le langage C, si vous avez une variable qui se répète dans la partie gauche ainsi que la partie droite de l'affectation, on peut enlever et l'opération devient, pardon, l'opération ici, je vais la déplacer ici. Donc ça s'appelle l'opérateur d'affectation composé avec un opérateur d'addition, de soustraction. Donc ça veut dire quoi cette instruction? S reçoit S plus power de I plus 1. Donc pour utiliser power, il ne faut pas oublier d'inclure la bibliothèque math.h. Ça on l'a fait déjà. Voilà, normalement en compilant, espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, il y a une erreur. Alors, où? On a oublié de déclarer la variable i. I, c'est une variable intermédiaire. Il n'est pas une variable d'entrée, il n'est pas une variable sortie. Donc, c'est un entier variable intermédiaire. Je compile. Alors, printf, j'ai fait une erreur. Printf, scanf, oui. Il n'est pas en jaune, donc il n'est pas en orange. Ou bien en marron, je ne sais pas, cette couleur. Donc, il y a une petite erreur. J'ai décalé. Ici, c'est correct. On compile. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Zéro erreur, zéro avertissement. On va faire un test. Donc, j'exécute. Donc, alors, c'est quoi le problème? Il n'est pas enregistré. Très bien, j'exécute. Je donne la valeur de n, par exemple, 10. Je donne la valeur de x, 1,25. Et on va voir la somme s, la somme calculée s est 298, etc. Donc, si vous voulez afficher 4 chiffres ou bien 3 chiffres après la virgule, on a vu le formatage ici, point 3, ici, 3 chiffres par exemple. Je recompile, je réexécute. Vous pouvez donner 112,25 et vous trouvez la somme. Donc ici, c'est un peu lent. Alors, je refais. On donne des petites valeurs. Pardon. Je vais donner 15 et je vais donner 12,5. Voilà. Donc, c'est un peu grand. Donc, c'est quoi le problème ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, apparemment, c'est grand, la valeur. Je vais faire 8. Je vais faire ici 1,24. Et vous donne la somme, 3 chiffres après la règle. Alors, c'est bon pour la première somme. On a dit tout à l'heure qu'on peut éviter d'utiliser la fonction pow. Enfin, ici, elle existe, donc ça nous aide beaucoup. Donc, c'est pratique d'utiliser la fonction pow. Si vous avez un langage comme le Pascal qui n'y a pas la fonction pow, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette solution. Si on déclare une variable p, c'est un changement de variable. P qui va remplacer x à la puissance 2 de i plus 1. Donc x à la puissance de i plus 1, on le remplace par p. La première valeur de p, c'est x. Voilà, on initialise p à x. Et maintenant, il faut avoir la prochaine valeur de x. Donc si vous êtes dans x, on va passer à x, on va passer à x cube. Si vous êtes dans x cube, on passe à x5. Donc vous remarquez, pour passer d'un terme à un terme, il suffit de multiplier le terme en cours par x carré. Donc x fois x carré, on trouve x3. X3 fois x carré, on trouve x5. Donc, on peut faire cette solution-là, ici. Pour trouver la prochaine valeur de p, on fait p fois x carré. Donc, sqr, c'est pas... c'est fois x fois x, voilà. Et comme ça, on trouve, à partir de x, on trouve x à la puissance 3. À partir de x à la puissance 3, on trouve x à la puissance 5, etc., etc. Donc, il faut déclarer p, bien sûr, voilà, comme un float. Alors, ça va donner la même chose que tout à l'heure, même résultat. Donc, je vais faire 8, 2,24. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? 1,24. Normalement, on va trouver le même résultat. Alors, très bien. Mais ça sera mieux d'utiliser la fonction pow. Je pense que c'est plus pratique. Donc, je reviens en arrière avec CTRL-Z. Voilà, comme ça, c'est mieux. On laisse comme ça la solution. Donc, ça, c'est la première somme. La deuxième somme, c'est comme la première, sauf qu'on a ajouté la division. C'est la somme de x à la puissance de i plus 1 sur la division d'un nombre. C'est quoi le nombre? Vous remarquez, c'est la même puissance. Donc, x à la puissance 3 sur 3, x à la puissance 5 sur 5, x à la puissance de 1 plus 1 sur 2, 1 plus 1. Et ici, c'est x à la puissance 1 sur 1. On ne l'a pas écrit, mais on le déduit. Donc, ça devient tout simplement la somme de x à la puissance de i plus 1 sur 2i plus 1. Donc, le terme répétitif, c'est x à la puissance de i plus 1 sur 2 i plus 1, ça devient comme suit, c'est très facile. Donc il suffit de copier ce programme, on va ouvrir exo 7 la question b et on va le coller ici. Voilà, il suffit d'ajouter la division
sur 2i plus 1. Voilà, on trouve la somme s, donc x à la puissance 2i plus 1 sur 2i plus 1. Voilà, je compile et j'exécute. On va donner 10 et on va donner 2,35 et vous trouvez votre somme. Voilà, très bien. Normalement, par rapport à tout à l'heure, si je donne 8, 1,24, ça devient plus petit que tout à l'heure, puisqu'on divise chaque puissance, elle est divisée par 2i plus 1. Ça, c'est pour la deuxième somme. Donc, on a déduit, c'est très simple. Maintenant, la troisième somme, elle est comme la deuxième, sauf que ici, on divise sur le factoriel de la puissance. Ça veut dire x à la puissance 3 sur. C'est pas la factorielle de la puissance, pardon, c'est le factoriel successif. X à la puissance 1 sur 1 factoriel, plus x à la puissance 3 sur 2 factoriel, plus x à la puissance 5 sur 3 factoriel, etc. Donc à la fin, c'est x à la puissance 2, 1 plus 1 sur 1 factoriel. Donc comment déduire le terme répétitif ici? Il suffit ici, vous prenez le dernier terme et vous remplacez n par i. Donc 2 à la puissance i plus 1 sur i factoriel. Voilà le terme répétitif. Voilà. Donc c'est très simple. Maintenant, la question ici, la différence par rapport aux deux sommes précédentes, c'est que ici, c'est le factoriel. À ma connaissance, il n'y a pas de factoriel prédéfini en langage C. Donc pour cela, il faut utiliser la technique de changement de variable. Ça veut dire qu'on va déclarer une variable f qui est égale à i factoriel. Donc f, il est initialisé à 1 factoriel. On sait que 1 factoriel égale à 1. Donc, et on a une relation de récursivité, de récurrence, la récurrence du factoriel. Ça veut dire le factoriel d'un nombre n égale le factoriel de n-1 fois 1. Ça veut dire 5 factoriel égale, par exemple, 4 factoriel fois 5. On prend, par exemple, 10 factoriel égale 9 factoriel fois 10. Donc, cette propriété de récurrence de factoriel, ça va nous aider à déduire le factoriel prochain. Donc, si je suis dans 1 factoriel, je vais multiplier par 2 pour trouver 2 factoriel. Si je suis dans 2 factoriel, il suffit de multiplier par 3, je trouve 3 factoriel. Si je suis dans 3 factoriel, il suffit de multiplier par 4, je trouve le k factoriel. Donc, la solution, ça devient comme suit. On initialise la somme à 0, on initialise le factoriel à 1, puisque c'est un produit. Le factoriel de n, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc, c'est un produit, on initialise à 1. Donc, le premier factoriel, déjà, c'est 1. Donc, on fait la boucle, notre boucle. Donc, ça, c'est ordinaire par rapport à ce que nous avons fait déjà. Ici, c'est obligatoire la parenthèse ouvrante, puisqu'il y aura deux instructions à l'intérieur. La première instruction, c'est la somme s reçoit. La somme s, la valeur de s, plus la puissance x à la puissance de i plus 1 sur f, qui est égal à 1. Donc, pour la première valeur de i égale à 0, on va trouver x sur 1 et on va trouver x. Maintenant, on doit préparer le prochain f. On a dit que le factoriel actuel multiplié par le rang plus 1, le rang plus 1 de l'itération suivante, je vais trouver le factoriel prochain. 5 factoriel multiplié par 6, je trouve 6 factoriel. 1 factoriel multiplié par 2, je trouve 2 factoriel. Donc l'idée c'est quoi ici? On prend le factoriel actuel f et on le multiplie par i plus 1, on trouve le i plus 1 factoriel. Ça veut dire je suis en 1 factoriel, la prochaine fois je fais 0 factoriel. Donc ici, voilà. Donc ici, c'est juste, il y a un petit problème dans la somme, je n'ai pas fait attention. Lorsque i commence par 0, on va avoir le 0 factoriel. Donc le prochain itération, c'est 1 factoriel, alors qu'ici, il commence par 1. Donc ici, on doit faire. Alors, on doit faire i plus 2. On commence par 0, mais ici, on fait i plus 2. Alors. Alors, j'ai fait une petite erreur ici, je n'ai pas fait attention. Il n'y a pas une correspondance entre l'indice et le factoriel. Puisqu'ici, ce n'est pas le 0 factoriel ici, c'est le 1 factoriel, ça, c'est les 2 factoriels. Alors, F1 ici. Oui, c'est i plus 2, normalement. I plus 1. Puisque 0 plus 1, c'est. 0 plus 1, c'est. Donc, il y aura un petit changement ici au niveau de cette solution. Alors, on va essayer d'implémenter et on va réfléchir à ce petit problème. Comment régler le problème de factoriel? Puisque i égale à 0. On doit faire un indice j. Obligatoirement, on doit faire un indice j qui commence par 1. Alors, c'est pas méchant. On va essayer de le faire. Donc, je vais copier ce code-là. Alors, on va ouvrir le fichier
Alors, c'est, voilà. Et donc, les variables d'entrée, c'est les mêmes. Voilà. Ici, on a dit qu'il faut rajouter la variable f. F, c'est un entier. C'est le factoriel, toujours, c'est un entier. Voilà. Et alors, ici, on fait s reçoit 0. On initialise le factoriel à 1. Le prochain factoriel, normalement, c'est 2. Par contre, ici, commence, i commence par 0. Donc, si je fais f reçoit f fois i plus 1, on va tomber ici dans le cas de 1 fois 1. 1 fois 1. Donc, ici, on ne divise pas par 2i plus 1, on divise par f. Voilà. C'est le factoriel. Donc, c'est x à la puissance de i plus 1 sur le factoriel de i. Le factoriel de i plus 1 en réalité. C'est le factoriel de i plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, on va déclarer une variable g qui commence par 1. Et ici, on fait g plus 1. Ici, si on enlève, puisque j plus 1, c'est quoi? C'est i plus 1. Donc, i égale à 0, j égale à 1. I égale à 1 et j égale à 2. Ici, je fais ici plus 2. Qu'est-ce qu'on va... On va dérouler comme ça, on va voir. C'est pas peine de déclarer la variable j. Donc, ici, on vient 1 fois 2. 1 fois 2. Pour i égale à 0, je trouve 2 ici. 1 fois 2, je vais trouver 2 factoriels. 2 factoriels, lorsque i égale à 1 fois 3. C'est correct, oui, c'est correct. C'est correct. Puisque lorsque i égale à 1, on va ici trouver 2, c'est 2 factoriels fois 3. Donc, très bien, je pense comme ça, c'est correct. Alors, on affiche directement la somme s. On va essayer de tester. Alors, si on va donner la valeur 1 pour x, on va trouver 1 sur 1 plus 1 sur, pour, plus 1 sur 2. Juste pour faire un test, c'est 0,5. Alors, on va donner 2 pour n. On va donner 1 pour n, donc il y aura 200 plus 1 pour x. Donc, x à la puissance 0 sur 1 factoriel plus x à la puissance 3 sur 1 sur 2 factoriel. On va trouver 1,5. Très bien. Maintenant, si j'ajoute le, si je fais le même cas, je donne cette fois-ci 2 pour n et toujours 1 pour x. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans la somme? On va avoir dans la somme. Alors, on va avoir jusqu'à x à la puissance 5 sur 3 factoriel. Donc, 3 factoriel, c'est 6. Donc, 1 sur 6 plus 1 sur 2 plus 1. Donc, c'est 0, c'est 1,5 plus 1 sur 6. Alors, 1 sur 6, on va voir qu'est-ce qu'il donne ici. 1,66. J'exécute la calculatrice. Donc, 1,5 plus... donc, pardon. Alors, il fait un pas. Alors, c'est pas ça. Oui. OK. Donc, c'est 1,5, 1 sur 6 tout d'abord. On va faire tout d'abord 1 sur 6 égale. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? 1 sur 6 égale. Pourquoi? Ah, d'accord. On est en. Oui, on est en décimale. Pourquoi il ne calcule pas la virgule? Ok. On va faire la calculatrice scientifique. Voilà. 1 sur 6 égale plus. Alors, plus 1,5. Donc, plus 1,5, ça devient 1,66. Exactement, 6, 6, 7. Très bien. Voilà. Donc, c'est le factoriel, il est correct. Puis, c'est juste pour savoir est-ce que le factoriel est correct. Donc, j'ai fait une petite erreur ici au niveau de l'analyse, au niveau de la présentation. Mais ici, on l'a réglé. Ce n'est pas f reçoit f fois i plus 1, c'est f reçoit fi plus 1. Donc, pourquoi? Puisque ici, c'est à la puissance i égale à 0. Ici, c'est i plus 1, c'est 1 factoriel. Ici, i égale à 1, ici, c'est 2 factoriels. Ici, i égale à 3, à 2, pardon. 2 fois 2 plus 1, c'est 2i. Ici, je trouve 3 factoriels. Donc, c'est i plus 1 factoriel, c'est pas le i factoriel. Donc, ici, il y a une petite erreur. Attention, c'est i plus 1 factoriel. La dernière somme. Alors, voilà. La dernière somme ici. Donc, c'est la même chose, sauf que ici, c'est le même, la même puissance. C'est le factoriel de la même puissance. Donc, ici, x à la puissance 1 sur 1 factoriel, plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel, x à la puissance 5 sur 5 factoriel, etc. Alors, normalement, ça va être réglé comme suit. Voilà, ça devient comme suit. X à la puissance de i plus 1 sur 2i plus 1 factoriel. Donc, on initialise s à 0, f à 1. La boucle va aller de 0 jusqu'à n. Alors, ici, S reçoit, F reçoit. Donc, ici, la même chose, apparemment, il y a une petite erreur. Pourquoi? Puisque I égale à 0. Donc, c'est I plus 2 fois I plus 3. Donc, 0 plus 2, c'est 2. 1 fois 2 fois 3. Donc, ici, il faut ajouter plus 1 ici, il faut ajouter plus 1 ici. C'est la même erreur
que le précédent. Donc, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas bien analysé le problème. Et on ferme la collade, bien sûr. Très bien. Donc, alors, on vient ici, on va copier ce code-là. On ouvre le cas de dernier, des. Très bien. Et voilà. Et on colle. Donc, ici. Le factoriel va bouger de 1 factoriel jusqu'à 3 factoriel, de 3 factoriel à 5 factoriel, de 5 factoriel à 7 factoriel. C'est pour ça qu'on fait deux multiplications. Il faut uniquement, faites attention ici, il faut uniquement ajouter 1 ici, donc ici i plus 2, ici i plus 3. Donc tout simplement, ça devient comme ça, fois i plus 3. Voilà, donc très bien, uniquement ça, et ça va faire la solution. Je compile, j'exécute. Je donne ici 5. Je donne x égale à 2,3. Et on va trouver notre somme. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier après. Faites un petit déroulement, etc. Donc, voilà. Donc, c'est des sommes un peu compliquées par rapport à l'exercice précédent. Puisqu'on a introduit la puissance, on a introduit les factoriels. Donc, il y a un autre cas de somme dans lequel on fait l'alternance de signes. Ça veut dire le signe, il est alternatif. On commence par le premier terme, par exemple, positif. Le deuxième terme, il est négatif. Le troisième terme, il est positif. Le quatrième terme, il est négatif. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, on vous demande ici de réaliser les mêmes sommes précédentes, donc les mêmes programmes, sauf que la somme avec des signes alternés, positif, négatif. Un exemple ici, par exemple, on prend la somme de factoriel. Donc, x sur 1 factoriel, la dernière, par exemple, cette dernière. Comment faire cette somme-là? X à la puissance 1 factoriel, moins x à la puissance 3 sur 3 factoriel, après plus. Par la suite, moins, après plus, après moins, après plus, jusqu'à le dernier. Le dernier, on ne sait pas, est-ce que c'est un plus ou bien c'est un moins. Comment réaliser ça? Donc, comment réaliser une somme avec, les signes de nombre, les signes des termes alternés? Donc, l'idée, elle est très, très simple. Donc, on va prendre le dernier cas. On va le faire pour le dernier cas. Et essayer de le faire pour les autres cas. On peut le faire pour tous les cas, pas de problème ici. Donc, on va prendre le dernier cas, puisque c'est l'exemple qu'il a donné ici. Très bien. Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit d'ajouter un entier qui s'appelle signe. Signe. On va nommer signe. Donc, c'est comme ça. Signe. Donc, le premier terme, il est positif. Donc, je vais initialiser le signe à 1 ici. Voilà. Donc, pourquoi 1? Puisque le premier terme est positif. Donc, juste une petite remarque concernant les deux slash. Ça, c'est le commentaire de C++. Ce n'est pas le commentaire de C, mais apparemment, il a été ajouté pour langage C. Donc, j'évite d'utiliser puisqu'on n'a pas fait dans le cours. On n'a pas fait. Donc, on utilise le commentaire ordinaire du multiligne slash étoile à la fin étoile slash. J'évite de l'utiliser, mais après c'est plus pratique d'utiliser deux slash une fois qu'on fait le C++, l'orienté objet, etc. La syntaxe de C++. Donc, voilà. Donc, signe reçoit 1. Donc, pourquoi j'ai fait 1? Tout simplement puisque le premier terme il est positif. Si par exemple on commence par le moins, par la suite plus, on fait ici le moins. On commence ici par le moins. Donc, le premier terme est positif. Je viens ici. Donc, S reçoit S plus le signe. Multiplié par le signe, multiplié par ce terme. Ça veut dire ce terme-là, il sera multiplié par le signe qui est égal à 1. Donc, pour le premier terme, il ne change pas. Maintenant, le prochain terme, il devient moins 1. Il suffit de faire signe reçoit moins signe. Ça veut dire que signe reçoit moins signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins 1, ça devient moins 1. Le signe moins 1. Le prochain terme, c'est moins 1 ici. Par la suite, moins, moins 1, ça devient 1. Et ainsi de suite. Donc, cette affectation, signe reçoit moins signe, donc K reçoit moins K, comme nous l'avons fait dans un exercice d'examen, J reçoit moins G, permet de passer ici, dans ce cas, de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. Voilà. C'est ça l'astuce. Et on peut compiler, on exécute. Et vous pouvez faire votre somme, par exemple 10, 1,25, et vous trouvez votre somme, vous remarquez, plus, moins, plus, moins. Et ça ne nous intéresse pas, c'est quoi le signe du dernier terme. Maintenant, dans la question, on commence par le moins ici, ici plus, ici moins, il suffit de faire l'initialisation. Voilà, hein, et le premier terme est négatif. Voilà. J'exécute. Et je fais. Voilà.
et vous trouvez votre somme le plus normalement du monde. Donc voilà. Donc pour le premier exercice, la même chose. Donc vous déclarez, par exemple, pour la première question, pardon, vous déclarez le SIN. On va le déclarer cette fois-ci K. C'est pas méchant. Je peux l'initialiser ici, mais ce sera mieux que l'initialiser dans la partie traitement. Donc ça sera plus structuré. K reçoit 1. On commence par le positif. Par la suite, ici, je multiplie le terme par K. Vous pouvez le multiplier à la fin, vous pouvez le multiplier au début, pas de problème. Voilà. Et ici, K reçoit moins K. Voilà, vous compilez. Voilà. Et vous exécutez. Pas de problème du tout. Voilà. Et vous trouvez votre somme. Donc, K moins K, moins moins K. Donc, pourquoi c'est négatif? Donc, je suppose, on va voir. Voilà, égal à 1. Donc, il s'annule. Ah bon? C'est bizarre. Je sais pas. Il faut vérifier. Il faut vérifier cette somme. Après, je vais le vérifier. Voilà. D'accord. Ok, j'espère bien que vous avez compris l'astuce. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Juste avant de vous quitter, donc l'exercice numéro 8, donc je suis en train de le préparer, donc j'hésite. On va faire, je pense, les suites, oui, les suites récurrentes. On va voir les suites récurrentes dans l'exercice numéro 8. Donc c'est un exercice très pédagogique. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien.